tout le monde! Donc, c'est moi et Snow. Dis bonjour, Snow. Fais pas ton antisocial. Ah, Snow, come on! Allô, tout le monde! Ah là là là! Donc, bonjour tout le monde. Ici Gabrielle Goulet. Je suis ici pour une nouvelle vidéo cette semaine. Puis, j'avais envie de vous faire quelque chose de Noël. Quelque chose de festif. Parce que on sait, il neige dehors, puis il arrête pas de neiger dehors, puis ben l'arbre de Noël est fait, ça sent les biscuits de maison chez vous, puis le Père Noël y arrive bientôt. Pourquoi pas vous partager 10 faits sur moi ou 10 réalités de mon Noël. Des faits, puis en même temps, c'est comme des traditions, donc un petit peu 10 choses sur Noël que tu veux savoir de moi. Ben, si tu veux pas savoir, je veux dire pareil, mais je veux dire 10 choses sur moi. OK, alright. 1. J'adore le eggnog, ok? La plupart du monde que je croise dit que c'est dégueulasse. Moi, je les comprends pas parce que j'ai juste hâte au mois de décembre pour boire le plus d'eggnog que je peux. 2. J'adore faire du shopping de Noël. Puis c'est drôle parce que je suis une fille qui aime donner l'envie, mais quand c'est le temps de faire mon shopping de Noël, j'achète pour moi. Je me dis, ça c'est pour la fois qu'il y a un enfant qui avait une crise à la garderie. Ça c'est pour la fois que mon frère m'a fait chier. Ça c'est pour la fois que j'avais pas d'argent, puis là je veux l'acheter. Fait que j'achète tout, puis je finis par dépenser genre 1000 pièces sur moi parce que c'est Noël, joyeux Noël. Gabrielle Goulet! 3. On peut-tu parler des fameuses cannes de bonbons? C'est mon bonbon préféré, fait qu'à tel temps de Noël, j'abuse un petit peu. Je mets ça dans mes desserts, dans mon chocolat chaud, je mange ça de même, puis je mets même ça dans mes céréales. Ouais. Excuse maman. 4. C'est plus une tradition. C'est le fameux arbre de Noël. Il est beau, hein? Ça a été la tradition pendant forever, des années et des années et des années, de faire l'arbre de Noël en famille, moi, mon frère, ma mère et ma soeur. Il n'y a pas une année où ça finit comme il faut. Je finis tout le temps par la chicane parce que moi, je mets une boule à la place où mon frère voulait mettre une boule. Ou ma mère à chiale parce qu'on a mis toutes les mêmes boules, la même couleur, à la même place. Puis ça finit une grosse chicane de famille où on se parle plus pour 2 jours, mais on va dans notre chambre. L'arbre de Noël, la soeur, je le fais seule. Numéro 5, c'est mon film préféré de Noël. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est Jack Frost. J'écoute ça puis je pleure à chaque fois. Puis c'est juste tellement triste, puis c'est tellement beau, puis c'est tellement Noël. 6, c'est quand même drôle parce que c'est une tradition qu'on a à chaque année, moi pis ma soeur pis mon frère. On achale ma mère pour ouvrir un cadeau. Je connais que, tu sais, à Gavin, mais dans le fond, à Gavin, elle Gavin à chaque année. Puis on reçoit le même cadeau, un pyjama. Donc on fait semblant qu'on sait pas pis on est tout content, mais dans le fond, on reçoit ça depuis qu'on a 5 ans. On se réveille le lendemain matin, moi pis ma soeur, on a un PJ qui marche pis c'est juste. Qui marche? Qui marche? Un PJ qui match pis c'est juste vraiment, vraiment cute. Moi pis sinon, on est découragés, hein, sinon? Pis, parce que j'ai tout filmé la vidéo, puis en le montant, j'ai réalisé que mon téléphone avait arrêté de filmer. So là, il est genre minuit. Moi pis Snow, on a décidé qu'on se laissait confortable. On vient de parler des PJ à ma mère, fait que regarde, j'ai mon pyjama de Noël, pis je vais finir ma vidéo même si c'est minuit. Oh, il est tellement beau! Quoi de plus que Noël qu'un pyjama Noël de maman Goulet? Donc numéro 7, c'est la chanson qui me met le plus dans le Christmas spirit. Puis ça, on se le cachera pas, je pense que c'est un petit peu évident si vous suivez Snapchat puis sur Instagram. C'est All I Want For Christmas Is You. Je deviens comme une bête de scène. Quand je l'entends, c'est comme peu importe je suis où, je la performe. Dans le temps de Noël, c'est que je me permets de tout manger ce que je veux, ce que je peux, quand je veux, quand je peux, tout, 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 en me convaincant que le 1er janvier, je vais être sa diète puis ça dure 2 jours. Oups. Numéro 9, c'est le fameux Bon Noël. À chaque année, moi, mon frère, ma soeur, on a un Bon Noël que ma mère se prend le plaisir de tout envelopper individuellement, dont le petit lip balm, le petit mascara et même le chocolat Kiss. Il y en a 10, elle les ouvre de son petit sac et elle les enveloppe individuellement, chacun. Numéro 10 et la dernière chose sur moi des fêtes de Noël, c'est que j'adore chanter des chansons de Noël. J'aime pas les écouter. Quand ça joue à radio, pour une raison ou une autre, je change le poste puis je trouve ça me tape ses nerfs un petit peu. Je suis pas le Grinch, mais proche. J'adore, j'adore les chanter. Donc, peut-être dans les semaines ou dans les jours à venir, un petit cover de ma chanson préférée. Peut-être. Peut-être pas. Est-ce que vous voulez? Hein?
C'est mon beau clin d'œil. Merci beaucoup, c'est ce qui termine mon vidéo. Merci de m'avoir laissé finir la vidéo en pyjama. Oubliez pas de subscriber, s'il vous plaît. Ce serait mon cadeau de Noël. Dis bye, Snow! Joyeux